Gail? Chérie? Gail? Mais mon trésoré, comment tu vas? Allons trouver maman. Gail, je t'en prie, ce n'est plus drôle. Gail. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gail Emerson, 28 ans. C'est ainsi que son mari l'a trouvé à son retour du travail. Il faudra que je lui parle. Vous pouvez essayer, mais il est très ébranlé. Que s'est-il passé? Il semble qu'on l'ait d'abord agressé sexuellement, puis tué d'une balle derrière la tête. Tout comme le meurtre sur... Tout comme le meurtre sur Bayview, il y a 9 jours. Ouais. Laissez-moi deviner. Plus de douille de balle et pas une seule empreinte. C'est exact. Seigneur. Il y avait un enfant? Un garçon de 2 ans. Il était à l'étage dans son lit. Il criait, mais n'a eu aucun mal. C'est au moins ça. Autre détail identique au meurtre sur Bayview. Le tueur a pris des petits objets. On croit que c'est un cambrioleur, peut-être. La victime l'aurait surpris. Nous, on ne l'est pas du tout. Il ramasse des trophées. Des souvenirs, peut-être. Oui, c'est possible. D'accord, les gars. Quelqu'un a sûrement vu quelque chose. Faites en sorte que les voisins soient tous interrogés. Je n'ai rien vu du tout. Mais Madame Resnick, vous habitez à côté. Vous dites que vous étiez chez vous. Vous avez vu quelque chose, sûrement. Mais on ne voit pas vraiment nos voisins. On n'a pas grand-chose en commun. La vie en ville, vous savez. Vous rappelez-vous quoi que ce soit d'inhabituel? Une voiture qui vous est inconnue? Un étranger dans le voisinage? Quoi que ce soit? Vous n'avez rien remarqué, donc? Franchement, je ne suis pas sûre que je vous le dirais, même si c'était le cas. 2 femmes victimes de meurtre dans le voisinage, le tueur est en liberté. Je ne serai pas numéro 3. Vous savez, Madame Resnick, si vous voulez même pas essayer de nous aider, comment est-ce qu'on peut faire notre boulot? Désolée. Ouais. Tout le monde est désolé. Génial, la surveillance de quartier. Hein? Pourquoi ici? Pourquoi cette rue? Pourquoi pas? Pourquoi ces femmes? Ce gars est un cinglé, voilà. J'en sais rien, Jack. 2 homicides perpétrés dans un quartier bien paisible et en plein jour. Pas exactement les conditions idéales pour un meurtre. Pourtant, personne n'a rien vu et rien entendu. Le gars prend le temps d'effacer ses empreintes par la suite.
C'est ce qui m'embête le plus. Il faut être plutôt sûr de soi pour faire ça. Aucune infraction. Ces femmes lui ont ouvert la porte comme ça, elle l'aurait fait entrer sans se méfier. Peut-être qu'elle le connaissait. Oui, mais comment savait-il leur horaire ? Hein ? Un grand quartier comme ça, il connaît les horaires de tout le monde. J'imagine que c'est un ami de la famille, de la parenté. Qu'est-ce qu'on sait sur son mari ? Je dois vous poser certaines questions, Kevin. Des questions ? Ouais. Votre femme avait-elle des ennemis ? Des ennemis ? Connaissait-elle une femme appelée Angie Miller ? Angie ? Non. Angie Miller. Elle a été victime d'un meurtre il y a 9 jours. Sur Bayview, pas tellement loin d'ici. Ok. On va vous mettre en contact avec le service d'aide aux victimes, Kevin. Et ils ont des services de consultation, garderie, ce genre de choses. J'ai un bébé. Ouais. Ouais. Quand on aura trouvé ce type, j'aimerais bien le castrer, personnellement. Voyant sûrement que quelqu'un avait quelque chose. Apparemment, non. Il n'agit pas au hasard, il doit y avoir un lien entre les victimes. Que les homicides dressent le portrait des victimes, la famille, les amis, les collègues de travail. Quiconque pourra faire un peu de lumière sur l'identité du tueur. Apparemment, c'est un gars totalement cinglé, sans rime ni raison. Aussi bien chercher une aiguille dans un tas de foin. Dans ce cas, autant s'y mettre tout de suite. J'ai fait reprendre à zéro les deux enquêtes. Sortir les dossiers dans tous les secteurs, les criminels violents, cambrioleurs, sans oublier les agresseurs sexuels relâchés depuis peu. On aura besoin de renforts pour étudier les données, alors j'aimerais une seconde équipe. Et Kay, j'aimerais utiliser le nouveau logiciel de référence pour manier ces informations. Je veux que rien ne soit négligé. Tu as fini ? Ouais. Si j'ai bien compris, tu veux dépenser tout le budget de l'année. Je t'en prie, Kay. Je ferai de mon mieux. Quelle est l'étape suivante ? Il y avait une fillette de 5 ans à la maison au moment du meurtre. A-t-elle vu quoi que ce soit ? On n'en sait rien. Elle est totalement traumatisée. Elle n'a pas dit un mot depuis le meurtre. Les homicides ont essayé de l'interroger plusieurs fois, mais elle devient hystérique. J'aimerais l'interroger moi-même. D'accord. Ok. Victoria. Mmh, ouais ? Tu étais aux agressions sexuelles. Tu sais bien à quoi tu devras faire face. Tâche de ne pas te laisser dévaster cette fois. Oui. T'as entendu ? J'ai entendu. Ma fille était à la maison avec la varicelle quand ça s'est passé. Comment se sent-elle ? C'est elle qui a trouvé sa mère morte. Comment croyez-vous qu'elle se sente ? J'aimerais lui parler un peu, Alan. Je ne peux pas laisser faire ça. Nous pensons qu'elle a peut-être vu quelque chose. C'est pourquoi elle est sous constante protection. Je ne peux pas la laisser revivre tout ça. Une jeune femme a été violée et tuée aujourd'hui. Elle avait un enfant aussi. Il y a tellement de similarités entre les deux cas que nous pensons qu'ils pourraient être liés s'ils le sont. S'ils le sont, on a affaire à un tueur en série. Nous devons savoir ce que Katie a vu.
Salut, Katie. Moi, c'est Victoria. Waouh! Tu aimes bien colorier? Tu voudrais un peu de jus? J'ai su que tu avais eu la varicelle. C'est plutôt agaçant, pas vrai? Ouais. Tu as même dû rester au lit, je parie. Tu étais au lit quand maman s'est fait mal? Ouais. Je suis désolée pour ta maman. Qu'est-ce qui est arrivé à ta maman, Katie? Tu as vu? Une chemise comme le monsieur qui vient d'entrer, dis-moi. Et une arme comme le monsieur de ton dessin. C'est un méchant monsieur. Oui, il l'est. Oui, il l'est. Tout va bien. C'est fini. Ta fille a vu un flic tuer sa mère. Témoin oculaire est une fillette de 5 ans. Mais voilà, est-ce qu'on peut croire une enfant de 5 ans? Elle est traumatisée, mais je crois qu'on tient quelque chose. Un officier en uniforme était présent à chacune de ses autres entrevues. Elle était terrifiée. Un uniforme s'amène quand moi je l'interroge et la même chose se produit encore. Ce qui expliquerait pourquoi les victimes laissaient le tueur entrer chez elles. Elles ne s'attendaient pas à ce que policier les viole puis les tue, pas vrai? Je déteste l'idée que ce soit un policier. Ouais, comme nous tous. Et si la fillette avait tort? Était-ce vraiment un policier qu'elle a vu ou quelqu'un qui se faisait passer pour tel? Un pompier, un postier, un gardien de sécurité? Quiconque porte un uniforme? Ou c'est un policier? Je veux que vous vérifiez toutes les plaintes reçues récemment contre des officiers en uniforme. Agressions sexuelles, cambriolages, tout ce qui semble vaguement irrégulier. Vérifiez les listes de services, qui était en service et qui n'était pas en service quand les deux crimes ont eu lieu. Et revoyez les dossiers d'employés. Voyez si des agents habitaient à proximité des lieux où les crimes se sont produits. Ouais, et quand ce sera fait, on passe au provincial. Il pourrait bien être de la GRC, de la police provinciale ou municipale. Wow, wow, wow. Alors on ne va même pas entretenir l'idée que ce n'est pas un policier? Ouais, ils appellent les homicides. Je veux qu'ils identifient tous les uniformes qui se trouvaient dans le secteur. Elle est plutôt enflammée. C'est ce qui m'inquiète le plus. Alors, ça vient d'une arme de nos services? Non, non, un 22. Vous voyez les marques? Et celle-là? Et celle-là encore? Oui. Angie Miller et Gail Emerson ont été tués par la même arme, il n'y a aucun doute d'après moi. Félicitations, inspecteur. Vous avez un tueur en série entre les mains. Ouais. Merci, Roberta. Est-ce que tu peux croire la quantité de plaintes portées contre des policiers? Il ne s'agit pas d'un agent de circulation à l'attitude désagréable. Ce gars viole puis assassine de jeunes mères. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Je n'arrête pas de penser à mon ex-femme et à mon enfant. Ils ont le profil des victimes, tu vois. Jette un coup d'œil là-dessus. Seigneur.
L'agent Gérald Passmore de la division 67. Oui, je me souviens de lui. Mais pourrait-on procéder plus vite? Je dois récupérer mes femmes. Vous pouvez rester tranquille pour une seconde. Vous avez enquêté sur Passmore pour agression sexuelle, c'est vrai? C'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, il y a environ 7 mois, je pense. Mais la plainte fut retirée, et puis voilà. Pourquoi l'a-t-on retirée? J'en sais rien, quoi. J'ai l'air d'un type en uniforme, selon vous. Demandez-lui vous-même. Tu veux de l'aide, mon beau? Ouais. Jane Clark. Vous voulez dire Gretchen? Ok, Gretchen. Suivez-moi. Bien sûr. Eh ben, ça me rappelle de bons souvenirs. Salut les gars, ce sont des flics. Alors on profite de l'escompte pour la police, messieurs. Oh mais désolé, je ne fais pas les deux à la fois, elle aurait dû vous prévenir. Alors on a droit à un extra en plus du massage, c'est ça? Les flics viennent ici pour la thérapie et en échange, ils ferment les yeux. Pas vrai, chérie? Ok, mais si on en finissait, hein? Je crois pas que vous nous compreniez, Gretchen. On n'est pas là pour un massage ou un extra. Vous êtes venu m'embarquer? Non, on veut juste vous poser quelques questions. Qu'avez-vous à dire à propos d'un agent nommé Gérald Passmore? Je ne le connais pas. Vraiment? C'est très intéressant si on considère que vous avez porté plainte pour viol contre lui pour mystérieusement la retirer. C'était un malentendu. Alors c'est comme ça que les femmes d'aujourd'hui appellent ça, un malentendu? Je suis pas une putain, ok? D'accord. Je vais à l'université. C'est comme ça que je paie mes études. Ok. Alors, donnez-nous l'heure juste. Passmore n'est venu ici qu'une fois. Il avait l'air gentil, mais ensuite il a voulu plus qu'un extra. Il est ce qu'on appelle un fouille merde. Ça, c'est un type qui aime bien... J'ai compris, Jack. Merci. Ok. Continuez. J'ai dit non. Il a flippé, il a pointé son arme juste à la base de ma nuque et il m'a violée, messieurs. Alors, pourquoi avoir retiré votre plainte? Mes parents ne savent pas comment je gagne ma vie. Personne ne sait. Si ce truc sera au tribunal, tout le monde l'apprendra. Oh, mais vous êtes plus brave que ça. Ouais. Mais écoutez ça. Passmore m'a appelé jusqu'à 15 fois un jour. Il disait qu'il allait me tuer. Je suis pas brave à ce point-là. Ok. Elle avait peur. De notre côté, Passmore est un policier décoré et également un père de famille dévoué. Et un possible agresseur sexuel violent. Ça, c'est si on croit la parole d'une putain plutôt que celle d'un agent de police. Quand j'étais aux agressions sexuelles, j'ai vu tous les genres d'hommes défiler devant nous. Et laissez-moi vous dire une chose, être agent ne fait pas de vous un saint. Tout ce que je dis, c'est est-ce qu'on peut la croire? Oh, mais bon sang, Jack, on a un type en liberté qui viole et assassine de jeunes mères. Une victime sort du silence et nous fournit un suspect potentiel et vous voudriez rejeter son témoignage comme ça? Ça n'est pas ce que j'ai dit. À l'évidence, cette affaire est importante pour vous. Mais je ne peux m'empêcher de poser la question, pourquoi a-t-elle retiré sa plainte? Elle était intimidée, ça se produit à chaque fois, Pogue. Ok, d'accord, pourquoi on ne se concentre pas sur ce qu'on sait? Les homicides ont écarté tous les pompiers, gardiens de sécurité, et j'en passe. Bon, il y a toujours une chance que ce ne soit pas un policier, mais ça n'a pas l'air de pencher de ce côté. Passmore est au secteur 67. Nos deux meurtres ont eu lieu dans les limites du secteur 67. Au moment des deux meurtres, Passmore n'était pas en service, puis on l'a signé aux deux scènes du crime. Je veux seulement qu'on procède de façon calme et logique, en évitant les jugements trop hâtifs. Si on se trompe sur Gérald Passmore, si ce n'est pas Gérald, on détruit sa carrière, on détruit sa famille. Voilà. Et si on a raison, on a un sadique sexuel et un meurtrier dans nos rangs. Qu'est-ce que ça dit à propos de la police, hein? Vous croyez que ça me plaît? Eh ben, c'est pas le cas. Vous savez, inspecteur, vous êtes d'habitude la dernière personne à accuser un agent de quoi que ce soit. Oui, mais ce cas est différent. Pourquoi? Bah, pour moi, ce l'est. Mmh.
Osterhaus. Il semble qu'on ait un autre meurtre. Merci. Je crois qu'on a une première percée. La victime est vivante, en route vers l'hôpital mémorial. Bien, les gars, vous prenez la scène du crime, je me rends à l'hôpital. Ouais. C'est bien, merci. Docteur Pagonis, inspecteur Castillo, que s'est-il passé? Et la victime a été tirée à bout portant au visage. Les chirurgiens sont à la salle d'opération. On est optimiste, le cerveau n'est pas endommagé. Bon, et quand croyez-vous que nous pourrons l'interroger? L'interroger? Il aura de la chance s'il survit à l'opération. Il? Attendez, la victime est un homme, mais... Mais oui, bien sûr. Déjà vu, on dirait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien, c'est un couple qu'on a attaqué cette fois. Carl et Mildred Spencer. Ils sont dans la cinquantaine. Alors, on dirait que ce n'est plus seulement les jeunes mères, hein? Ouais, en fait, on ne croyait pas que c'était notre homme cette fois, parce que les âges sont différents. Mais les gars de l'identification n'ont trouvé aucune douille sur les lieux et il n'y a pas d'empreinte non plus. Pourquoi tu es le mari? On n'en sait rien. On croit qu'il est revenu plutôt à la maison et a surpris le tueur. Il serait mort aussi, mais sa fille est arrivée à point nommé et l'a trouvée. Elle est dans le salon. Alors, j'imagine que vous n'avez aucune idée de qui aurait pu faire ça. Non. N'y a-t-il rien d'autre que vous puissiez nous dire? Une horloge a disparu. Une horloge avec un petit compartiment. Un genre de fenêtre pour y mettre une photographie. Maman avait mis une photo de nous trois dedans. Elle n'y est plus. Ok. Ils ont travaillé toute leur vie pour payer cette maison. Et à peine ont-ils emménagé. Qu'ils ont... Non. Tiens, regarde qui est là. L'agent Gérald Passmore. Sur les lieux du crime, encore une fois. Coïncidence d'après toi? J'ai vérifié les horaires de travail. Passmore n'était pas en service au moment de la fusillade. Puis il a repris le service. Il a été assigné à la scène du crime comme pour les autres. La balistique confirme que l'arme utilisée pour tuer Mildred Spencer est la même qui a servi à tuer Angie Miller et Gail Emerson. D'accord, j'ai eu de bonnes nouvelles de l'hôpital. Monsieur Spencer devrait pouvoir s'en tirer. C'est super. Il pourra peut-être identifier Passmore. Pourvu qu'il puisse parler, ouais. Pourquoi changer de victime? Et pourquoi les trophées? Comment un agent peut-il tourner si mal? La nature humaine. Elle ne cessera jamais de me décevoir, pas vous? Alors, on a un suspect? Oui, on en a un. Et c'est un agent, ce suspect? On dirait bien. Merde. Je veux qu'on le surveille en permanence, qu'on espionne tous ses déplacements. J'espère trouver un peu d'ADN pour comparer avec les spécimens de sperme qu'on a récupérés sur les victimes. Et qui sait, peut-être qu'on trouvera une arme à feu. Il faudra que j'en discute avec le chef. Ok. Qu'est-ce que, peu importe ce qu'ils diront, je ne vais pas le laisser s'en tirer. Alors tu ferais mieux de t'assurer qu'il s'agit bien de lui. On pourrait vérifier les relevés de téléphone. D'accord, allez-y. Ok.
Excusez-moi. Que puis-je pour vous? Un truc à imprimer. Vous devez en faire la requête auprès de l'inspecteur Castillo ou du sergent détective Pogue, d'accord? Ouais. C'est moi le sergent détective Pogue. Je veux juste un peu de collaboration ici, Einstein. À vos ordres, capitaine. Désolé de vous faire patienter, Kay. Vous vous souvenez du chef adjoint Talbot, n'est-ce pas? Oui, je pense bien, en effet. J'irai droit au but. On a un suspect, je veux le placer sous constante surveillance. Alors allez-y, vous n'avez pas besoin de ma permission. C'est qu'il s'agit d'un des hommes de David, Gérald Passmore. C'est une plaisanterie. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Non, et j'espère avoir tort, mais c'est notre principal suspect. Gérald Passmore est un excellent policier. Parfois, mais à d'autres moments, non. Alors, c'est de ça qu'on parle. Soyons sérieux un peu. Est-ce que Passmore a visité un salon de massage? Oui, il l'a fait. Passmore est-il le seul agent à l'avoir fait? Non, il ne l'est pas. Pour ce qui est de l'autre plainte, elle a été retirée. Ça ne fait pas de lui un innocent, chef Talbot. Ça ne fait pas de lui un coupable non plus. Je n'arrive pas à le croire. C'est à ça que la chef adjointe Barrow et son équipe occupent leur journée. Voyons voir si on peut jeter le blâme pour tous nos ennuis sur les uniformes. Quoi de neuf sous le soleil? Si le chapeau fait. Ok, ok. Entre un agent meurtrier et un agent qui fréquente les salons de massage, je sais lequel je préfère. Dans les deux cas, c'est mauvais pour notre image. Alors, je veux que les dommages là-dessus soient réduits au strict minimum. C'est bien entendu? Réglez le cas du massage avec l'agent Passmore de la manière que vous voulez. Je ne veux plus en entendre parler. Et en autant que vous ayez des preuves, vous pouvez y aller avec la surveillance. Personnellement, j'espère que vous avez tort. On voit que vous ne portez plus l'uniforme. Vous semblez avoir oublié ce que c'est. Oui, c'est sûrement ça. Notre homme. Passmore passerait facilement pour un modèle de citoyen. En plus, c'est un excellent cuistot. Génial. Peut-être bien qu'on se fera un petit souper intime un jour. On a de l'ADN? Passmore s'est mouché le nez là-dedans. Mais ça, c'est un verre dans lequel il a bu. Si seulement il fumait, alors on aurait un peu de salive. Le Saint Graal de l'ADN. Lequel d'entre vous est ce salaud de Castillo? C'est moi, Castillo. Bien, mais puisque nous voilà tous réunis, nous avons quelques questions pour vous, agent Passmore. Je sais ce qui se passe ici. Et ça ne marche pas. Dois-je comprendre que vous n'allez pas coopérer? Les flics comme vous me font vraiment flipper. Oh, vraiment? De quel type de flic on parle? Le type qui croit la parole d'une masseuse professionnelle plutôt que la mienne. Quelle est votre version de l'histoire? Je vais vous le dire ce qui s'est passé. J'allais laisser tomber. Je lui aurais donné qu'un avertissement, ok? Mais là, elle me dit où me le foutre. Ensuite, j'apprends que je l'ai violée, merde. Et vous l'avez fait? Quoi? Non, mais je parle à un mur ici. Non, je ne l'ai pas violée. Et vous savez quoi en plus? Non seulement je ne l'ai pas violée, mais je n'ai pas violé ni tué ces autres femmes non plus. Je suis un flic, rappelez-vous. Je suis un des bons gars. Ouais, mais j'en connais un rayon sur les violeurs, sale vermine. J'ai entendu toutes les excuses du monde. Quoi, vous êtes flic? Mais c'est super. Ça ne veut rien dire pour moi. Bien, on verra ce que l'association va dire à propos de ça. C'est ça, oui. Et vous étiez où l'après-midi du 28 août? Ouais, hein? Comme si j'allais vous le dire à vous. Comment a-t-il su qu'on surveillait? Il n'y a eu qu'une réunion entre Barrow Talbot et le chef, non? C'est Talbot. Il a voulu sauver la peau d'un des siens. Parfait. Mais il ne va pas s'en tirer de cette façon. Appelez l'hôpital. Je veux que Carl Spencer nous identifie Passmore.
Et s'il n'en fait rien, on brûle notre unique témoin oculaire. Merde. Je venais de passer le seuil de la porte. Il se tenait là. Il a tiré sur moi. Un agent a tiré sur moi. Monsieur Spencer, croyez-vous pouvoir identifier l'homme qui a tiré sur vous si vous le voyez à nouveau? Oui. D'accord. Je vais vous montrer un certain nombre de photos. L'homme qui a tiré sur vous peut être ou ne pas être parmi elles. Je veux que vous regardiez ces photos une à la fois, juste un coup d'œil rapide, sans vous y attarder. Regardez-les toutes et après, nous parlerons de ce que vous avez vu. Ok? Oui. Quelqu'un que vous reconnaissez? Non. Il n'y a personne que vous reconnaissez? Non. Je suis désolé. Merci. C'était notre meilleur espoir. Écoutez. Ne me sautez pas à la gorge pour ce que je vais dire, mais il est peut-être temps d'admettre que Passmore pourrait être innocent, madame. Non, pas de doute, c'est lui, Jack. Et il ne va pas s'en tirer comme ça. Les tests d'ADN sont prêts. Ils ont fait vite. Trop vite. Qu'est-ce qui a foiré? Bien, tous les spécimens que l'équipe a pu recueillir sont bizarrement contaminés. Bien sûr, plutôt amusant, n'est-ce pas, venant d'un agent? Plutôt douteux, en effet. Une chose est sûre, Passmore sera maintenant très prudent avec les spécimens qu'il laisse derrière lui. Génial. Alors voici où on en est. On a deux témoins oculaires, une fillette terrifiée et un homme sur qui on a tiré à bout portant au visage et qui n'a pas identifié notre premier suspect comme étant le tueur. Je vais tout reprendre à la case départ, repasser au peigne fin tout le voisinage. Tu sais, au risque de me répéter, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Je sais. Pourquoi eux? Comment choisit-il ses victimes? Pourquoi a-t-il changé de procédure? Peut-être qu'ils s'attendaient pas à trouver les Spencer sur les lieux. Leur fille dit qu'ils n'ont emménagé que 2 mois plus tôt. Les précédents occupants? Tu l'as dit. Oui, j'ai vendu la maison, Spencer. Pauvre couple. C'est dramatique ce qui s'est passé. Oui, si vous n'aviez pas vendu la maison, ça aurait très bien pu être vous. Ouais, c'est lugubre et ironique, mais hautement impossible. Et pourquoi ça? Je n'y habitais pas. Non? Je louais cette propriété. Ok. Qui était le précédent locataire? Police, nous aimerions vous dire deux mots. Il y a un problème? Rien de grave au moins? Non. La précédente locataire s'appelle Andrea Philcox. Elle a 26 ans. Elle a une fillette de 2 ans. Elle a déménagé juste avant que les Spencer n'emménagent. Vous croyez que le tueur la visait, elle? Pas de doute pour moi. On l'a mise, elle aussi, sous protection. On s'est dit que, au moment où le tueur a agi, Philcox n'y était plus, et les Spencer s'y trouvaient. Le tueur n'en sait rien, alors il se rend à la maison et est surpris de trouver les Spencer là. Il panique, il tire. Bon, on avance tout doucement. Comment Passmore a-t-il choisi ces 3 femmes? Quel est le lien entre elles? Refaisons le portrait des victimes, incluant Philcox désormais.
Est-ce qu'elles sont victimes parce qu'elles sont mères? A-t-on vérifié auprès des docteurs, infirmières, les cliniques qu'elles fréquentent? Je m'y mets tout de suite. Vous savez, je crois toujours que si on pouvait trouver le motif pour tous ces trophées, ça nous mènerait quelque part. Faites bien. Alors, comment s'appelle ce logiciel, dis-moi? Cyberespion. Cyberespion. Bon, ça pourrait bien faire le boulot. Tu sais, tu as la vie facile ici. Il y a moins de 2 ans, tu aurais entré toutes ces données manuellement. Le gars qui avait ton boulot, il avait une mémoire d'éléphant, bon sang. Il écrivait tout sur des petites cartes rangées dans une boîte. Il retenait toutes les affaires dans sa tête. Tu vois, c'est lui qui assemblait les pièces du casse-tête. Maintenant, on a cyberespion, hein? Oh, et bien sûr, toi aussi. Sauf votre respect, y a-t-il un but à cette histoire? Donc, ça classe les données de toutes les façons possibles, c'est ça? Oui. Ok, disons que je te demande de me sortir le numéro d'insigne de l'agent qui a filé le plus de tuyaux, disons, l'année dernière. Ça nous donne le numéro d'insigne 9412. Oh. Ok, sors-moi les adresses de nos 3 scènes du crime. Ça y est. Ok, bon, vérifie s'il n'y aurait pas eu de visite de la police à ces adresses dans les derniers 8 mois. 8 mois. Ouais, on a enquêté des effractions aux 3 adresses. Ok. L'étape suivante, ça demeure entre toi et moi. Autrement, je reviens par ici, je te tords les noix jusqu'à ce qu'elles donnent du jus. C'est clair? C'est très clair. Bon. Sors les numéros d'insigne des officiers assignés à ces enquêtes. Il n'y a qu'un officier commun en 3 enquêtes. Eh ben ça alors. Voilà, c'est ici. Merci. Vous voulez me voir? Ouais. Je voulais te parler à propos de ces trophées, comme tu les appelles. Ouais, t'en penses quoi? Ben, je ne les vois pas comme des trophées. Je les vois plutôt comme des biens volés. Je suis de la vieille école, tu vois. Ouais, j'avais remarqué, tiens. Et après 8 ans, je dirais, à la division 72, on a eu une série de cambriolages, 40 en tout. Et chaque maison où on enquêtait a été pillée à nouveau 3 jours plus tard. Le voleur était un agent. Il se servait de l'investigation, examinait les lieux, revenait plus tard et prenait ce qu'il voulait. Et j'ai pensé que c'était peut-être à ça qu'on avait affaire. J'ai donc fait ma petite enquête. Numéro 4860. Policier Philippe Lamoureux. Tu le connais? Non. Ces femmes qui sont mortes. Effraction aux 3 résidences 1 ou 2 mois auparavant. Lamoureux était assigné aux 3. Il a écrit le rapport de circonstances. Son secteur était Willowdale. Il semble ne jamais patrouiller ailleurs. C'est pas suffisant. Je sais.
Alors j'ai épluché ses carnets de notes. Il savait exactement ce qu'il recherchait. Et ce n'était pas des trophées, je t'assure. Il mettait d'énormes étoiles près des noms des victimes. L'amoureux a 10 ans de service, un dossier des plus ordinaires. Ouais, on le décrit comme un type discret, bon partenaire. Divorcé, bien avant d'arriver ici, il était en service en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Ils ont 3 homicides non résolus là-bas qui correspondent à sa façon de procéder. Ok, je crois qu'on tient bien cette fois. C'est ce que je crois. J'en parlerai à la chef adjointe. Beau travail, tout le monde. Ok. Ouais. Merci, Jack. C'est rien. Mais Passmore est toujours coupable du viol. Absolument. Est-ce que je croyais qu'on en avait fini avec le policier Passmore et ce dossier? En effet, on a un nouveau suspect. Bon, ça recommence. Chef, je suis bien prête à oublier le fait que quelqu'un ici ait informé Passmore qu'on le surveillait. Je veux bien aussi laisser cette même personne tenter de garder ses hommes loin des salons de massage. Et s'il voulait suggérer à Gérald Passmore de chercher de l'emploi bien loin d'ici, je l'apprécierais aussi. Mais je refuse de voir mon investigation court-circuiter une autre fois. Et sur qui enquêtons-nous maintenant, chef Barrow? Le policier Philippe Lamoureux. Lamoureux? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Enquêter sur tous les officiers en uniforme à propos de cette affaire? C'est une inquisition, chef, pure et simple. On est convaincu qu'il est le tueur. Ah oui? Et où sont vos preuves? Et cette fois, chef, j'espère qu'aucune information ne transpirera de cette réunion. J'y verrai. Voici Philippe Lamoureux. C'est la raison. Il en aurait tué combien d'autres, tu crois? ADN. Le Saint Graal. Je dirai aux policiers en civil de venir le prendre. Ouais. C'est rien que notre agent Jack. Jane Clark? Oui? Inspecteur Castillo. C'est à propos de Gérald Passmore? Oui, ça l'est. Je n'ai rien de plus à dire. Je voulais juste vous dire que même si l'agent Passmore a choisi volontairement de quitter les forces, il a aussi été acquitté de tous ses méfaits. Pourquoi ça ne me surprend pas? Mais c'est normal. Vous l'avez laissé filer. Allez au diable. Laissez-moi vous dire un truc. Il n'y a rien que je déteste plus que les violeurs. Mais dans quel but je me fendrais en quatre à tenter de les pincer si des personnes comme vous ne veulent pas faire leur part? Il violera à nouveau, vous savez. À moins que vous ne vouliez changer votre témoignage au plus vite, vous devrez vous préparer à vivre avec ça aussi. Thank you.
Pas de répit pour les enquêteurs de Blue Murder, tout de suite sur Série Club.